Il y a trois voitures qui passent, on voit rien.
dans les doigts, ça va. Tout à l'heure, vous allez vider à 7h, c'est bon, vous allez pouvoir vider. Ah ouais, le mec nous ouvre à 7h là-bas. C'est fini là, l'histoire là pour revenir à moi. Bon, là c'est con là. T'as eu l'ambulance pour tourner là ? Ouais, il va pas bien tirer, c'est bon, d'accord. Ça fait bien et tout dans le dernier. C'est bien. Ah mais moi je suis une conscience professionnelle, c'est papy, c'est sérieux moi. Il n'a pas passé le reste, il n'a pas fait le reste. J'avais peur qu'il se mouille, tu vois, je voulais qu'il reste le tapis. Oui, surtout que t'as dit qu'il arrivait dans le sac avec les idées, c'était le pied. Voilà, c'est pas mal. Conscience professionnelle, tu vois, ça fait le mec très sérieux et tout, c'est pour ça qu'on fait tout. Non, je pense que là-bas il va bien, parce que là il irait mal, tu aurais pas pensé. Ah oui, ça serait déjà, là-bas il irait mal, ça pourrait se faire enculer. Ouais, monsieur, pas vu, d'accord, mais je l'avais pas vu comme ça. Bien sûr, tel que je vous le donne, là-bas. Oui, il y a un matin.
Là, il y a marqué. Alors, il m'a dit, tu passes le Bran, après tu passes le pont métallique, 3-4 mètres plus loin, ta direction de Nogent, tu prends, tu fais 4-5 km et on est au chantier. Qu'est-ce qui se passe à la station? Il y a quelqu'un qui te fait chier sur la route? Les mecs oublient de regarder leur clignotant, leur rétroviseur. Il m'entend pas, lui. Vous engueulez pas, les mecs, ça vaut pas le coup, hein.